c'est de prérogative actuellement du comité exécutif, avec évidemment le soutien de la commission d'organisation de la CAN qui est une instance au sein de la Confédération qui conçoit, analyse, suit et propose au comité exécutif des décisions à prendre. Vous savez très bien qu'on a nommé un auditeur indépendant par Abeldorf, Roland Berger, qui a eu le marché. Ils ont fait déjà la première visite d'inspection avec quelques spécialistes, quelques experts du football. Ce que je peux vous dire, évidemment, pour ne pas aller dans les polémiques, je ne vous dis pas les vrais rapports. Il y a des gens qui veulent mentir. Je le dis toujours, il y a des gens qui veulent mentir. Entre le rapport et le cahier de charge, il y a encore un déficit énorme. Qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Mais nous, sachez que je suis un homme qui tient sa parole. Mon comité exécutif ne changera d'un iota des décisions qu'on avait prises par rapport à la proposition aux résolutions du symposium. C'est ce que les acteurs du football veulent d'une CAN meilleure. Sur tous les plans. Les stades, la pelouse, les hôpitaux, les infrastructures routières, les aéroports, et non, d'autres, les hôtels. Voilà. C'est nos exigences aujourd'hui. Le cahier de charge, vous pouvez le voir.